Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va tranquille. On est le 21 septembre 2023 sur le Bic Résistance CHUG avec la banderole du Larcou Santé qui est en train d'être érigée, en train d'être tendue par le collectif des organisations en lutte. Et oui, suite à cette conférence de presse de l'UTS-UGTG, donc ce matin, on a une belle conférence de presse avec Monsieur Clavier qui nous a donné une belle interview qui sera sur Canal 97+. Allez faire un tour sur Canal, vous allez voir toutes ces interviews, tout ce qu'on a travaillé pour l'information aujourd'hui. On est actuellement toujours sur ce Bic Résistance qui est maintenant à l'intérieur. On vous rappelle hein, au niveau de l'information parce que les gens passent à l'extérieur, ils voient qu'il n'y a plus les chapiteaux qui étaient avant dehors. Mais actuellement, depuis la suite, ben, le collectif des organisations en lutte, ben, ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur avec un piquet de grève qui a la banderole aussi de l'UTS, vous voyez tout au fond, l'UTS-UGTG. Et les militants sont là, avec camarade Widi Tessier aussi, qui a fait une belle interview, camarade Widi Tessier de KPPEG. Voilà, donc vous allez pouvoir retrouver ben, toutes ces interviews sur la page YouTube Canal 97+. Sans oublier que demain, il y a le Larcou Santé qui sera en live sur la page YouTube Canal 97+. Depuis plus de un an, on est en partenariat avec le collectif des organisations en lutte. On leur a donné effectivement l'accès à notre page YouTube et c'est surtout la camarade Sylvie Bartel qui fait les lives. Donc vous allez pouvoir regarder demain à partir de 9h du matin. À partir de 9h du matin, ils seront en live Larcou Santé sur le Bic Résistance CHUG. Et là, c'est l'heure du repas. Et bien voilà, les amis, le repas du jour sur le Bic Résistance. Vous voyez, c'est manger et nous. C'est ça, nous avons mangé depuis des siècles. Car on nous bandait, qu'on nous y est. Aïe. Elle mange beaucoup là, qu'on est. Ah ouais? Mis un bon manger qui n'y légumes, qui n'y d'ombré. Alors, camarade, qui nous a mangé là ça? Une espèce de Congo, on va connaître nous. Une espèce de Congo, il y a salaison, il y a d'ombre, il y a légumes. Poulet fumé aussi, poulet fumé aussi, les amis. Vous voyez, bon viande. Et c'est comme, ouais, il n'y a pas faim, ça, nous n'y a ces camarades là qui là, mais il n'y a pas au pari, puis il y a des savinis. Nous avons attendu. En tout cas, ces camarades là, et ils ont fait un bon service, ils ont assuré un bon service. Mais c'est les soignants, hein, c'est les soignants qui là, c'est les soignants qui ont formé pour soigner les gens. Ben, ils ont fait solidarité à ça. Ils ont effectivement partagé le repas là. Mais ça qui est bien, c'est qu'ils ont pani, bien mon gars jeté. Chaque monde qui a venu avec couillao, pani bien mon gars jeté, bien venu avec couillao, lavé bien yao. Et voilà, comme ça, il n'y a pas de déchets qui caillent tomber dans l'océan, dans la nature, pour faire la pollution. C'est ça aussi la santé. La santé, c'est garder un patrimoine propre. Voilà les amis. Mais bon appétit à vous aussi, de là où vous êtes. Bon appétit à Zot. Et nous, quand disons Zot comme ça, à bientôt.